ta popo nous offre à peu près. Il trouve Wisdom Ifiani qui avait dans son dos Rigobert Song. Attention, c'est pas le vrai. Hein. Wisdom Ifiani. Oh là 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 là, c'est très dur. Et le retrait, ça fait but normalement. Oh, ça fait Dalois qui met le deuxième but. Mais là, le tacle appuyé. À punir Sol. Et tout de suite, ils vont à l'abordage. Regardez, ce tacle est dangereux. Mais il résiste bien au contact. Et après, il délivre un petit ballon. Voilà, cette talonnade. Mais sinon, en bonne opportunité, en bonne position pour conclure l'action. On l'a dit, hein, le garçon n'est pas un buteur, mais c'est un percuteur. Il a percuté. Il offre l'opportunité à ses coéquipiers de conclure l'action. Et c'est Zino qui a la réception. Belle passe au passage de Yao Sech, talonnade. Hein. Oh, ce tac, mon Dieu. Heureusement qu'il résiste bien. Il y aura un double changement. Hein, avec Ouattara Kanigi, on peut expliquer, c'est des choix tactiques. Un milieu, un attaquant qui vont rentrer. Yabré, Mohamed Ali. Mohamed Ali, Yabré va embarquer. Yabré, repris. Et c'est Tiagouri qui prêt. Qui va marquer un temps d'arrêt, le centre de Kipré. La reprise certainement du Nigérien. La frappe. Dans cette défense, vous voyez un peu d'où il vient. Et il lève la tête au second poteau. Wisdom remet le ballon. Malheureusement, la balle se lève. Mais... avec Kone Siriki qui a joué pour Badjo Serge. Le ballon, Zuno Kipré. Zuno est passé. Zuno Kipré, Tiagouri. Tiagouri, Emmanuel. Va-t-il réussir son centre? Ballon dévié encore. Chalant. Faux nonchalant. Faux nonchalant, il confirme ça. Regardez comme il accélère et son centre était bon. C'est encore un défenseur de Korogo qui est sur la trajectoire et c'est lui qui enlève le ballon. Et là, vous avez vu l'accélération du soi-disant nonchalant. Accélération, pénétration, le centre aussi parfait. On va retrouver dans la défense de Korogo, Kofinge sans Henri Joël. On se bat, Zuno Kipré. Je vous ai dit que lui, n'y allez pas avec lui, ne suivez pas ses gris-gris. Il est dangereux, attention, Yao. Serge, Yao Serge va coulisser pour bien jouer. Ifiani, 3-0. Oh là, Ifiani, c'est véritablement pas un buteur. Ifiani n'est pas un buteur. Il devra travailler devant les poteaux hein, pour se mettre au diapason. Et Yao Serge, belle passe. Hein. Il était à la réception, regardez. Il suffisait de piquer. Juste un piqué. Le gardien était déjà couché pratiquement. Il avait fait son lit. Il suffisait juste de piquer le ballon et ça faisait but. Mais le garçon n'est pas un buteur. Il n'a pas le geste du buteur. Ah. Et voilà. Le contrôle du capitaine Kwasi Dje et Jeune. Tiagouri. En trophée, hein, il avait été la saison dernière. Homme du match. Hein, un des hommes du match, voilà. Oui, absolument. Il faut le dire, hein, il y a un trophée qui est décerné aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. À la première journée, c'était Traoré Ousmane du FC San Pedro qui l'avait remporté. Attention à la passe. Ah, le ballon. Korogo comme côté aussi, San Pedro, Sol, voilà. Il donne l'indication, regardez. Il donne l'indication, il dit je veux le ballon là. Le ballon est bien donné dans le bon tempo, mais une très bonne réaction du défenseur de Korogo. Regarde, il suit et il met son pied en opposition. Un tacle. Gigi, Banao, Mamadou, c'est quoi ce défenseur qui est sur le banc de touche. Attention à Tiagouri. Avec le centre, la défense de la SOA. Regardez. C'est bien joué là dans l'intervalle. Tout de suite. Oh, pourtant, le joueur de la SOA a la possibilité. Bon, c'est une équipe qui a longtemps joué ensemble. Ça fait 2 ans, 3 ans, elle en première. Hein. Donc, on est en train de limiter d'abord les dégâts et puis après, on verra. Oui, ça fait un moment qu'elle est en première, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont nouveaux. Attention, Aruna! Aruna écrasé! Et ça combine très bien. Zuno à la manœuvre, hein. Déviation, et c'est lui. Aruna, son contrôle est raté. Son premier contrôle est raté. Hein. C'est là où il se retrouve en difficulté. Regardez là, la déviation est parfaite. C'est là. Il rate son contrôle, il est obligé de ramener encore le ballon. Le percuteur. Voilà, ça il sait le faire. Le percuteur, voilà, il est dans son rôle. Envoyer un centre, il continue de provoquer. Il a cherché à trouver Zuno Kipré. Zuno, il va chercher à provoquer lui aussi. Zuno Kipré. Il est bon dans les gris-gris, hein. faut pas y aller avec faut lui. Faut pas le toucher. Hein. Faut pas y aller, du Wisdom. Dans le front, sur le front de l'attaque, il y a différents profils. Ouais. Il y a différents. Wisdom Ifiani, lui aussi qui s'est un peu éteint. Ouais.
Zinon qui prêt, lui. Zinon. Attention à Aruna, position de hors-jeu. Les deux équipes, hein. Oui. Les deux équipes, ça fait vraiment beaucoup d'opportunités. Ça veut dire qu'il y a de la capacité pour amener les ballons dans la surface de réparation. Et c'est dans la. Attention de Sol FC. On vous l'a dit, ça sera un match très tactique et technique. Et faire remarquer, mon cher Patrick Dadi, avec les téléspectateurs, on souffre de l'absence de vous, vous êtes là. De... Depuis la 38e minute, c'est pas terminé. Vous le voici encore, Stéphane Yao. Stéphane s'est bien donné. C'est une balle avec Thiagouri. La frappe de Thiagouri et Bobadri, ce ballon. Que c'est bien joué, tant dans la conception oui, oui, que dans la finition. Tant dans cette frappe sèche de Bamba. Et quel arrêt spectaculaire. Vous savez que Bamba Idrissa, il aime bien ce genre d'arrêt. Je vous l'ai dit déjà. Ouais, il est spectaculaire. Le porteur de l'immobilier envoie cette frappe sèche. Et Bamba Idrissa pour le frappe. Et Kader Keita qui était à Gagnoa hier pour la victoire de Gagnoa. 4-0. Attention, il va frapper. Zuno Kipré. Le porteur de son soutien à son frère aîné Fadel Keita, vice-président du Sporting. Et lui-même, c'est un ancien joueur du Sporting. Ouais. Pendant qu'on revoit cette action. Cette action de Zuno. Hein. Voilà, un contrôle de trop. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bataille pour la conquête du ballon avec Zuno Kipré, faute. Carlos a pris soin d'ajouter faux devant parce que vous avez vu hein, son accélération, son double contrôle. Tout de suite, il désarçonne l'adversaire et puis voilà, il est obligé de commettre une faute sur Zuno. Vous avez des joueurs Gouraud, hein, ouais. Letini Gouraud qui très souvent porte ce nom, Bolibi. Attention, Zuno Kipré, Zuno va provoquer. Zuno, il va armer une frappe, c'est pas. Sol FC ne joue pas au hasard, mais le dernier match de Sol FC face à Gagnon, ça nous a laissé un peu sur notre fin. Oui. Voilà. Avec ce but à la 45e minute de Bugbin, parfait. Ouais. Voici le contrôle de bas Kéassé. Kéassé. Le Pérou-Dressien, voici que la, maintenant. L'apparition de Banao Mamadou. Ouais. Alors que. Banao. C'est là qu'ils doivent avoir de la variété dans les jeux. Voilà, trouver Zuno. Et puis sur les côtés, il y a quelques possibilités parce Zuno, que dans l'axe. Il va le provoquer. Voilà, Zuno, sur le côté. Avec Wisdom Ifeani. La frappe du Ifeani. Dabobo est venu de ce garçon, Wisdom Ifeani. Oui, il croise malheureusement trop son tir. Hein, mais c'était bienvenu. Voilà, son contrôle. Il s'emmène le ballon. Et là, c'est là qu'il croise un peu trop. Ce ballon est fuyant. Il fuit les poteaux. C'est bien dommage. Mais c'était bien essayé. Et avait malheureusement. Hein, il y a ce défenseur de sol qui se jette. Il empêche le but. Attention à ce ballon hein, devant pour Haruna Moussa Ibrahim. Face à lui, le capitaine de l'équipe de Kodoro. Va-t-il jouer en retrait? Oui, c'est ce qu'il fait. Pour Zuno Kipré, oh, oh non, c'est mal joué. Oh, c'est mal joué. Frappé. C'est lui qui doit être le porteau d'eau. Juste positionné derrière l'attaquant. Malheureusement, il n'arrive pas. Disait Jean. Le contrôle de la SOA, plutôt de Sol FC avec une frappe. Je pense que c'est très très bien joué, c'est ce qu'il fallait faire. Il a pris les formations, hein, malheureusement. Ils ont apporté énormément. Je veux dire que même l'entraîneur aujourd'hui peut être récompensé comme meilleur joueur. C'est juste parce qu'il n'est pas joueur. C'est juste parce qu'il n'est pas sur la pelouse. Lui, il y a le gros bébé formé à l'Académie Mimo Sifcom. Il porte le numéro 10 de cette équipe de Sol FC Dabobo. Zuno Kipré, Thiagouri, Emmanuel Junior. Faux nonchalant, mais attention, précision dans les passes. Vous l'avez dit, hein, faux nonchalant, mais il a pour lui la qualité technique. Il arrive à donner des très bons ballons. Il est très très. Il voit vite. Il donne de bons ballons. Et en plus, il a un très bon coup de pied. Attention. Attention, on va démarrer. Quand on a besoin de sucre, c'est comme quand on a besoin de finesse. La force n'est pas utile. Tout en là, là, il avait besoin de finesse. Tout en finesse, en douceur, un pompon de caramel, attention. Sol FC, il trouve le joueur décalé. Il retrouve leur bonne habitude la première période.
Yannick. Donc ils connaissent la bataille. Ah, en Ligue 2, on se bat. Yao Serge passe pour Zinon Kipré. Zinon, il va donner pour... Pour l'armée et qui a intégré l'armée régulière de la Côte d'Ivoire. D'accord, c'est une bonne chose. Hein. Attention avec ce ballon. On va se mélanger un peu les pinceaux du côté du sol. Il y a Stéphane qui est couché sur la pelouse synthétique du stade Robert Champoury. Il va se relever. Alors que Kuyo... Voilà, ça fait 2-1. Rien n'est encore fait. Ce match n'a pas encore livré sa vérité. Oh là 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 là. On veut voir des beaux gestes, des beaux buts. On en voit aussi aujourd'hui. Ben voilà, vous êtes... Faire circuler le ballon pour chercher la faille. Oumar Raoul Bamba va trouver Zinon Kipré. Zinon, on va se retenir sur... Bien à 15h30 et puis... Nous, on devait commenter le match Bafing USA Bassam qui a été encore battu 2 buts.